Ok, alors par contre, c'est vrai que j'avais pas fait les réglages avant, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Voilà, n'hésitez pas à me dire si le son est bon ou pas, je pense, ça m'a l'air d'aller. Ok, d'accord, je te remercie. Merci Kalkin. Alors du coup, je vais juste regarder les options. Est-ce qu'il y a un truc? Je crois qu'il n'y a rien, à part le fait de mettre en français. Ouais, voilà. Bon, on est parti. Touk. On part toujours sur des voies dégueulasses quand même. Entre l'abîme et ça. Il y a une certaine constante. Au soleil du sud, un village de pauvres pêcheurs. Une jeune seigneur hein, ne pouvait plus endurer la misère des siens. Chaque année, la mère donnait moins de poissons. Bien trop peu pour payer les créances des guerres perdues. Faraday rassembla ses hommes sur son vieux navire et mit les voiles dans une quête désespérée. Après des semaines en mer, une tempête se leva. Les braves marins aperçurent une ombre immense et sombre dans les vagues. C'est Cthulhu ! Une baleine colossale les poursuivait. Elle est énervée la baleine, hein, dis donc. Elle a l'air de faire chier, hein. Mange-monde. Mange-monde, ok. Ouais. Alors j'ai un problème, c'est que j'adore les jeux où on peut sauter. Du coup, je saute tout le temps. Je vais dans l'eau? Ah non, je ne peux pas. J'aime bien. Ils me disent à sauter, mais j'avais déjà vu. Hein. C'est le premier truc que je fais quand je commence un jeu. Est-ce que je peux sauter? Je comprends. Ah non, mais c'est j'adore moi. C'est trop bien. Et des fois que je peux pas sauter, du coup je suis hyper frustrée quoi. Pardon. Et du coup là il récupère de la santé sur des gens qui sont décédés, c'est-à-dire il leur a sucé le sang ou on est sur une personne cannibale. Qu'est-ce qui se passe? Corps à corps. Ah oui d'accord. Ah oui c'est ce que j'ai fait tout à l'heure moi. J'aime bien me dire que je tape 4 fois à côté. Avant d'y arriver. Pas grand chose à faire. Je peux descendre ou pas? Attends. Je meurs pas quand je vais là? Ah oui, mais du coup, c'est pas une porte. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Je peux aller là-dedans. On va pas aller là-dedans tout de suite, si. Voilà, toujours le problème. Est-ce que là où je vais, c'est la suite de l'histoire ou est-ce que... What is this? Est-ce que c'est la su... Non. Ah! Alors là, on m'a dit qu'il y a une espèce de pieuvre qui m'a refoutu sur terre, ok. C'est pas du tout s'il y a un truc intéressant ici. Hein. Pourquoi, hein. Hop. Pas la réponse, je crois, ouais, c'est ça. Bon bah, on y va alors, du coup. Et c'est parti! Hop! Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux rien faire, ok. Et là, il peut plus ressucer le sang des gens. C'est fini. Ah, ça, ça me plaît. Ça, ça me dit bien. Hop! Oula! Ah,
déjà voilà, on est un petit peu sur eux. Ah là là, yo ! Agressez pas là, ça va pas ou quoi ? Ah ! Pas ou quoi là ? Ok. Ah, on est pas mal. Non ! J'ai fait un truc avec la bestiole, mais c'est genre, c'est trop pas ça que je voulais faire. C'est quoi ça? Ah non, j'aime pas. Oh là là. Partons. Oui, putain. Okay. Hop. Mais est-ce que je meurs en fait? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le cloque brillait une lueur dorée. Une vieille boussole. Un harpon? Salut! Goodbye! Laissez-moi fuir! J'ai peur. Ah là là, elle est tombée dans l'eau! Oh là là, mais sans déconner, faut que je refasse tout ça là. C'est dégueulasse. Bah oui, mais comme par hasard, là, je vais plus doucement. Alors, essayez de se concentrer et de pas tomber dans l'eau comme un cake. Et je vais par où? Ah, ok. Ok. Moi, je veux pas affronter ça comme boss, hein, ça fait trop peur. Faraday. Oh là ! Ah oui, c'est une personne moine Shaolin, tout ça, là. Donc, il vaut mieux l'écouter. Ah, c'est intéressant. Tu as de la chance d'être en vie. Peu d'hommes survivent à ce que tu viens de traverser. Quoi, une grosse boule noire qui nous poursuit ? Un harpon, tu dis ? Oui, tout le monde ici connaît la légende. Mais bien peu savent ce qu'il en est vraiment. Mais toi, tu n'es pas un naufrageur ordinaire. La tempête prend l'homme et le jette loin de chez lui. Mais ne crains rien, je sais où t'emmener. Bah, où tu m'emmènes. Est-ce que je peux? Ah non, je peux pas sauter. Repose-toi maintenant. Laisse-moi t'emmener là où tu seras attendu. Oui, madame. Oula. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là, du coup? Tu ne parles plus? Tu ne me parles plus Ah, si, ça y est. Je pense qu'il va s'arrêter. Ok. C'est tout? Ah, mais il n'y a pas d'au revoir, quoi. Pas d'adieu, pas d'au revoir. Bah, c'est agréable. Merci. Ah, une autre personne, tiens. Des hommes brisés étaient rassemblés là, ils attendaient. Jadis marins, marchands, aventuriers. Leurs yeux secs et mi-clos semblaient vides d'espoir. Le gars est sauvage, c'est ça. Ah, oula. Des sous. Donnez-nous des sous. Il y avait un gars en haut. What is this? Vous avez trouvé une carte. Montrez-la au batelier pour découvrir de nouveaux horizons. D'accord. En fait, j'essaye de me dire, est-ce que je peux sauter
Ce qui est très con, parce que je vais mourir, mais... On ne peut pas leur parler, hein. Non. On... C'est dommage, j'aurais bien aimé aller en haut. Peut-être qu'on peut lui parler à lui non plus, mais... Il a l'air un peu plus vif que le reste des gars, là. Bon, Jean-Michel Batelier, j'ai une carte. Ah, on est là-dedans, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, il faut des clés. Nous, on est là. Ombre Creek. Ah ouais, le harpon, il est là. Ombre Porte. Mais comment je sais où je dois aller, moi? Bon, elle est là. Là, j'avoue, je sais pas. Tête nue, les cheveux de Faraday flottent au vent, tels ceux d'un héros. Attends, j'ai pas compris là. Attends, bloqué. Visiter le chapelier. Ah oui, pour débloquer depuis son chapeau, d'accord. D'accord. Ah oui, je peux changer son apparence, d'accord. Waouh! Magnifique! Ah! Alors attends. Nous y sommes presque. Bon, je me suis dirigée au bon endroit apparemment. Ombre porte, ok. Non, j'ai eu peur de pas être au bon. À boire. Ah bah, c'est-à-dire que déjà que là, j'ai encore envie d'aller aux toilettes, donc on n'est pas bien. D'illustre Seigneur en baptiste machin, cette porte est ton salut, Faraday. J'ai beaucoup trop bu aujourd'hui. Non, le batelier, on va le laisser. C'est quoi ça? Je joue avec les points. Ça sert à quoi, ça? À juste à le faire chier, en fait. Mettre des coups de pied comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Tac! J'ai récupéré un os. Mais c'est génial. J'ai du mal à trouver des trucs de points intéressants. C'est un peu... Le gars qui est très énervé comme ça. Hop là! C'est alors qu'il la vit. Ombre porte. Faraday parviendrait-il à rentrer dans son village? Bon, on va espérer pour lui quand même, non? Le village. L'aube brûlante, les cloches du levant. Le sourire de ses gens malgré les journées sans pain. Tout cela semblait déjà si loin. Ah d'accord, là je peux pas sauter par exemple. Ah mais c'est-à-dire que je suis allée là pour rien? What is this? What the fuck? Ah je suis allée là pour rien. J'ai raté un truc, Faraday, c'est le perso que tu joues. Je crois. C'est la personne qui joue pas, qui n'est pas dans le truc. Oui, c'est possible. J'hésite entre lui ou la ville, en fait, je sais pas. Non, mais l'autre, il me dit, ouais, attends, il me fait toute une intro. Oui, on me reporte, c'est là, c'est génial, machin. Et le gars, il se casse et c'est même pas là que je dois aller. Bah, bravo, Jen. Non, ouais, c'est chaud. En ce moment, j'ai des problèmes de concentration. Et en plus, j'ai un gros souci en général. C'est que je peux regarder une série ou n'importe quoi. On va me donner les noms des gens. Je les ai instantanément oubliés. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est quoi, ça? Attends, nous, on est allé à Ombreporte. Et on était à Raz-de-Marée, je crois. Bah, faut qu'on aille là, alors. Ombre Creek, Ombre Cirque, Ombre Creek, je crois. Grosse mémoire, c'est exactement.
être nu. Ok, on a que ça. Je pense que je me dis, ça sert à rien, je comprends la série, je comprends le truc. Voilà, quoi, je vais pas m'encombrer avec des noms. Pas utile. Et des fois j'invente des noms, comme ça je me dis, je sais de qui je parle dans ma tête, je sais. Donc j'invente des noms, voilà. J'espère que ta boussole fonctionne. Bah j'espère aussi en fait. On n'aurait pas pu la tester avant? Non? T'aurais pas été un petit peu utile? Comment dire? Et je viens pas de là, moi. Je sais même pas d'où je viens, en fait. Ouais, ouais, salut, papy. Adieu. Bah, ah, là, tu me dis adieu. Par contre, tout à l'heure, t'es parti comme ça. Là, tu me calcules, par contre. Bah, je peux jouer, ou comment ça se passe? Coup de pied comme ça, là. Ah, je pense que oui, c'est bon. C'était là que je devais aller, à la finale. Parce qu'il y avait la clé qui apparaissait. Attends, je vais aller à gauche. Peut-être pas. Ah, il y a des petites bestioles qui me... Tac, j'ai raté. Hop là. Le mec est très énervé. Il saute dans les airs partout en mettant des coups de pied. Je vais retourner chez moi. Attendez. Hop, hop, hop. Tac. Ah oui, c'est Faraday. Avait suivi le conseil d'un sage. Ouvre l'œil pour trouver des objets anciens qui semblent inutiles. C'est ça. Entre de bonnes mains, tout peut être utile. Ah, on pourra peut-être faire un truc avec les os. Hein. Je fais bien de tout taper, moi. C'est quoi ça? J'ai tapé dessus en fait là. Mais ouais, parce que regarde là. Et ça se détruit comme ça en fait. C'est quoi ce machin vert là? Je ne pense pas que je puisse passer par là. C'est un petit peu compliqué. Hop, hop. Tac! Je casse les cornes moi! Ah non, je peux pas. Le mec est très 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 énervé. Il y a une cage? Comment je fais? Bah oui. Et des coups de pied dedans comme ça là. Ah attends. Pas du tout. Ah non, ça ne... Le mec il fait de la musique. Alors j'ai composé une chanson. Pour exprimer tout mon désespoir. Tac, attends. Et le gars, tu sais, il est tellement énervé. Tu vois, il casse les brins d'herbe comme ça, là. Et là, je meurs ou pas? Pas du tout, ok. Je pensais. On ne peut pas passer. Si je peux faire comme ça, là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, un coffre. J'adore. Ouais. Je peux les mettre un coup ou pas? Je me... Ah non, ah. Ah, d'accord, on est sur... Ah mais je suis pas mort par contre. Ok, pas mal comme raccourci. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, trop bien, hein, des pommes. Ah bah oui, il me faut une clé. Mais attendez, le mec il dit j'ai une boussole, mais la boussole j'utilise comment? Ah d'accord, on me dit juste, ouais j'espère que ta boussole elle marche bien et débrouille-toi en fait. Ok, je retiens. Ah oui d'accord, c'est vraiment à la porte-porte. Oula, aller taper les squelettes là. What is this? Là, la porte a l'air énervée. la porte a l'air d'être porte des ténèbres. Pardon, est-ce qu'on a envie d'y aller? Je ne sais pas. Genre, tu es sûr que tu ne veux pas aller dans cette porte? Ça a l'air génial pourtant. Ah oui, on a fait un tour en... Ok. Alors non. Est-ce que j'ai envie d'aller en bas? Ah, on va y aller. Putain de sa race. C'est tout ça pour ça, ok. Hop, hop. Bon, au moins, c'est pas trop trop grand non plus, quoi. Ça, hop. Tac. En fait, c'est un choc nourrice à l'ancienne. Le gars, il est très énervé, en fait. Oui. Ah, attends. Tout à l'heure, le machin s'est enclenché. J'ai rien fait, moi. Ok.
Tac. Génial. Sia. Non. La personne est trop énervée. Eh oh. C'est quoi ça? Ah, j'ai eu peur. Je crois que ça a essayé de m'avaler. Ah, il y a des sous là. Tac. Non, ça marche pas. Qui êtes-vous? Ai-je donc dormi tout ce temps? Bah, c'est à toi de nous le dire en fait. Hein. Est-ce que c'est bien de le libérer, Jean-Michel, Jean-Michel enfermé là? Parce que. Bon, déjà, de toute façon, je peux pas passer. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Ah! Rapière, une lame affûtée aux assauts rapides et légers, la meilleure amie de l'escrimeur. Moi, ouais, je t'inquiète. L'escrimeur un peu. Alors. Excuse-moi. Il se tient sur le bord de la route, ignorant le froid mordant. Le mendiant silencieux attend, mais ne veut pas de votre or. J'attendrai là où les vôtres sont. Et là où je pourrai me remettre à l'ouvrage. Ah, peut-être pour faire des armes. J'aime bien, je ne veux pas de votre or, mais moi je ne t'ai rien proposé à la base. Hein. Moi je donne rien à personne. Hein. Ah mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est horrible, c'est moche! Alien! Eh, niquez-vous! Casse-toi, toi! Crois où, là? Non! Et l'autre, il se lève. Ah, mais c'était ça, les petits bouts, là! Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Au début, je pensais que ça voulait me croquer. Bah, en fait, ouais, j'ai bien vu, hein. Non! Mais tu te crois où, frérot? Oh! Non! J'ai peur. Eh, moi, je fais des coups de pied et tout, là. Je fais des trucs de fou, là. Chun-Li, là. Oh! Yes. T'as tout, des coups de pied, des coups de machin, tout. Attendez. Yes. Encore m'attaquer? Injustement? Oui. Non. Ah, merde. Ah la merde. Je voulais pas du tout aller là. Aïe, aïe, aïe. Alors j'aime bien parce que potentiellement j'appuie un peu sur n'importe quoi. Ça fait des trucs de fou. C'est trop bien. Est-ce que je peux repartir là où j'étais moi à la base? C'est pas là que je voulais aller en fait moi si. Parce qu'ils m'ont fait sauter sur un endroit. Mais est-ce que... Oui attends, tu vas me manger plus tard. Ah, il y a un truc là. Salaud. Aïe, aïe, aïe. Mais ça va pas ou quoi? Ok. Ah, il y a un gars là. Eh, t'es se balade, mais normal, quoi. Il se promène, en fait. Ça rend bien, en tout cas. Ah, mais c'est super bien fait, j'aime bien. Hein. Et du coup, je découvre parce que la démo, c'était... Des fois, il y a des démos qui partent du début du jeu, ou voilà. Bah là, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai fait dans la démo. Attends, je suis pas en train de tourner en rond, là, par hasard? Par hasard fou. Merde. Hop là. Ah non, pas du tout. Non, non, je ne tourne pas en rond. Et sous. Ouais, je pense que le vieux, du coup, c'est pour... Wow, il y a des portraits. Attends, il y a des portraits. Il y a des dessins dans la caverne. Putain.
Il y a un coffre. Attendez. Il y a quoi là, vite fait? Oh, il y a la clé. La clé et la caverne. Je vais d'abord aller là. Oui. Il y a un selfie des gars qui veulent te croquer. C'est ça. Ah putain, mais ouais, en plus, c'est les gars là, mais attends. Mais là, c'est trop chelou. Attends. Là, par exemple, c'est des gars, ils sont normaux. Après, là, il y a un prêtre. Donc, il lui voue un culte. Après, le prêtre, il fait « J'ai une petite faim, quand même. Je vais peut-être en gober un. » Et après, hop, on part sur des mecs énervés. En même temps, ça m'énerverait aussi de m'être fait croquer. Ah, là, je ne peux pas passer. Okay. Passe par là. Ah, là non plus. Je peux aller là, par contre. Ouais, c'est la clé. Stargate. Ouais, je pense qu'il les transforme. Mais ça faisait trop comme il le prend, genre. Je vais te croquer. Viens, mon enfant. Ah! Je vais mourir ou pas? Non, ça a pas l'air de me poursuivre, ok. Alors du coup, comme maintenant, je peux taper partout, là. On va pouvoir faire des trucs, je pense. Je sais plus d'où on vient, comme d'hab. Ah bah si, faut aller là, fallait la clé. Il lui a fait un suçon, mais c'est transformé, c'est ça. Bon si c'est... Alors, c'est quand même de l'abus, si c'est qu'un suçon, ça va. Par rapport aux prêtres bien connus en général. Et ça me fait perdre de la vie cette merde ou comment ça se passe? Je sais pas. Après, même si une personne comme ça, j'aimerais pas qu'elle me fasse un suçon quand même. Hein. À choisir, je préfère rien. Ah, il est dégueulasse là, le squelette là à droite là. Ok. Attends. Et saute. Ah, j'ai pas vu qu'il pouvait pas sauter. Comment je passe? Vu ses chicots, c'est ça. Ah oui, comme ça. Mais. Saute. Ah, je peux rien lui faire là, par contre c'est le décor. Nickel. Ça a fait du bruit en bas, du coup. Ah non, je crois que c'est une... Je crois que c'est de l'acide. Elle est là. Ah! Ok, parfait. Ah, attendez, on va aller par là pour récupérer un peu de diamant là. Ah, elle m'a fait mal quand même le truc, dis donc. Ah, là je peux pas passer. Alors attends, j'ai deux options. Deux options pour monter. Ouais, bah peu importe, c'est mieux d'aller là. Hein. Ok. Ah, non! C'est quoi ça? Ah oui! Voilà. Quand tu te laves les cheveux, tu récupères de la santé. L'hygiène capillaire. On n'en parle pas assez. Ah, les piètres serviteurs du clan Noir Soul. Ils haïssent tout ce qui vit et adorent ce qui brille. Sympa. Voilà, qu'est-ce qu'il... Hop là. Viens ici, toi. Voilà, plein de petits bouts de personnes. Hello. Comment ça va? Là, c'est des pics un peu, non? Je vais éviter de me frotter à ça. Bah, attendez. Mais non, mais toi, là! C'est pas possible! Voilà. Ah,
Tac, allez, vas-y. Bah, l'autre, il nous a fait un truc de ninja, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ok. Bah, on saute, hein, en fait. C'est quoi? J'ai récupéré une plume? Attends, il y a ça à faire aussi. D'accord, chelou. C'est quoi ça? Bah c'est mon épée. J'avais plus d'épée? Je pense que pour sauter... Non. Ah non, c'est bon. J'ai cru que c'était vraiment de l'eau. Attends, y a rien d'autre là, ici? Tac, tac... Là, y a rien. Là, hop, hop, hop. Là, on a affronté les gars. Là, ici, y a rien. Non, ça, c'était le levier. Ah, qu'il y a rien. Hein. On va aller regarder. Hop. On va regarder à droite. Là, si on est pas venu de la droite, non. Oh. Ok. Bah, on va aller... On va aller dans l'autre sortie. J'aime pas trop ça. Oh là. Waouh, c'est chelou ça. C'est très creepy. Oh, vous m'avez fait peur. Je jouais pour les trois chasseurs. Ah, ceux qui sont en haut, ok. On raconte qu'ils pourraient s'éveiller pour traquer le porteur du harpon. Non merci. Sois prudent dans ces couloirs, jeune homme. Parce qu'à un moment, je vais avoir le harpon, moi, en fait. Donc, c'est-à-dire, je dois me farcir les trois chasseurs. Ouais, ça va être sympa. Ah, je ne peux que marcher, là. Ah, est-ce qu'il y a... Là, on décède, hein, salut. Hop là. Ok. Tac. Direct. Ouh là là, les trois chasseurs, ok. Et bah, c'est parti. Hop. J'ai sauté. J'ai eu un... Non, non, non. Waouh. Wow. Pas un fil de piège, ça? Esquive rotative, qu'est-ce qu'il y a? Alors, à un moment j'ai envie de dire non, mais non, je ne sais pas de quel côté en fait. On va aller à droite, allez. Ah! C'est quoi ça? Il y a un autre fil tendu là-haut. Ah bah là je peux pas passer, ok, donc c'est bon. Ok, ouais, c'était juste pour le coffre. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas les plans comme ça. Ça pue, non? Ah, pas mal. Tac. Hop là. Alors...
Non, c'est pas moi. Je m'appelle pas Faraday, moi. Je m'appelle Jean-Michel, je me suis perdue. Il manque une petite musique d'ambiance. Ouais, j'avoue. Un tout petit truc de fond. Oui. Alors, ça y est, on a le harpon. Est-ce qu'il va nous dire comment utiliser ça? Je suis un peu. Ah voilà. Attends, c'est ça. Voilà. C'était donc vrai. Le harpon pouvait le propulser dans le temps et l'espace. Et ouais, on est fou là. Ah bien. Ah ok. Et hop, on lâche. Ah ouais, non mais quand t'as le harpon, c'est trop trop bien. Tac, allez, Kessia. Voilà, hop là. Pas forcément, je vais peut-être aller voir en bas, non? Je sais pas s'il y a un truc particulier. Oui. Des sous, des sous. What the fuck, c'est quoi? Il est où mon inventaire? Non, non, mais je veux... Ah, je peux pas regarder. Du coup, je vois comme ça, mais... Ah, peut-être qu'on peut regarder quand on revient à la ville. Pour... Et il y a le papy, là, qu'on a sauvé. Il va nous faire des armes, je pense. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il est sorti de la grotte comme un guerrier, là. Grâce au harpon, Faraday allait-il retrouver ses compagnons? Pour la première fois depuis le naufrage, l'espoir renaissait en lui. Je repars. Oui, mais il n'y a pas le coup des trois chasseurs, là Faraday, as-tu oublié que ça pouvait être la merde très vite? Ah, je pense qu'il va mal paguer, lui. Ah non, il s'est transformé en pierre, non? C'est super bizarre. Ou alors il me parle pas. Ah non, c'est moi! Ah ouais, ok. Et le gars est parti. Inspiration, voyage d'Ulysse. Ouais, c'est ça. J'avais adoré le Liliade et l'Odyssée, j'avais adoré. Vous êtes emparé du harpon, légendaire, et vous pouvez désormais explorer Mange-Monde. Pourrez-vous quitter ces terres étranges et rentrer chez vous? Quand vous retournez à la plateforme, vérifiez votre progression et celle des naufragés. Parce que faut que je regarde la progression des naufragés. Le chapelier a rejoint votre cause. Il peut fabriquer de puissants chapeaux. Ça fait bizarre. De puissants chapeaux qui vous aideront dans votre aventure. Les flèches, ces flèches acérées redoutables, sont fabriquées dans les profondeurs de Noir Saul. Les os, un ancien ossement d'humanoïde, les traces de vie qui l'imprègnent encore peuvent être exploitées par une main experte. Sympa! Collier occulte des crocs damnés, souvent portés par la vermine de terraphage et chargés du mauvais œil. Plume rouge d'un rouge vif hypnotisant, elle inspire force et courage. Ah, peut-être que je pourrais faire un chapeau avec, avec les plumes et tout. Collier d'or, rare et précieux vestige d'un riche royaume oublié, imprégné d'énergie pure. Mais en vrai, ça se vend combien? Combien pour le collier? Donc là, on est sur... Ah ouais, 0 sur 10. Alors, je pense que c'est les naufragés. Et 0 sur 8. Je sais pas, on dirait une personne féminine. Mais je ne sais pas ce que c'est. Pas mal. Ah! Notre moine Shaolin. Ah bah, on va retourner à la base, je pense, pour qu'il nous montre un peu ce qu'on peut faire. Vu qu'on a récupéré le chapelier, en plus... Sympa la petite musique. Que c'est que ça? Ah, c'est à manger.
Ah bah c'est la maison du chapelier là, le gars il a déjà fait sa baraque, il y a un petit chapeau et tout qu'on voit. Je devrais y aller, bien sympa ce petit jeu en tout cas. Ouais, c'est clair, franchement j'ai hâte de voir la suite, hein. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être passé. Et puis bah je te souhaite une bonne journée. Et du coup, tu vas le faire quand, Alien, cette semaine ou la semaine prochaine? Mais c'est mon arme, ça. Ah d'accord, si je passe par là, je ne peux pas. Sinon, je la prends. Ah, ce soir. Eh bah écoute, je regarderai alors, je serai là. Cool. Oh, elle est sympa, cette petite musique. Ah non, mais j'ai hâte, j'ai hâte. Je pourrais te regarder souffrir. Tac, ça marche, bah, je serai là. C'est quoi ça? 30 quoi? Mais 30 pour avoir quoi? Ah, je fais des maisons. Vous avez débloqué l'alchimiste. Ce petit personnage douteux. Peut augmenter votre santé maximum si vous y mettez le prix. Bon après-midi, à ce soir. Du coup, ça marche, à ce soir, bon après-midi. J'aime bien ce petit personnage douteux. Ah, d'accord. Quand on a des sous, du coup, on peut augmenter la vie. Mais il se bat avec l'espèce de petit truc noir, là. C'est trop fort. C'est excellent. Bah, plus 50, ouais. Allez, on est un peu foufou. Après, par contre, calme-toi. Attends, j'ai 121. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas encore tout exploré. Je ne sais pas ce que je peux acheter. C'est quoi, ça? Ah, je récupère mes cœurs, génial, c'est gratuit. C'est quoi? C'est un bout de pain bizarre là. Ah. Et lui? Monseigneur, nous avons rassemblé nos vivres. Nous récupérons à peine de la famine. D'accord. Nous vous devons tout, Monseigneur. Bah, de rien. You're welcome, Jean-Michel. Ah, je ne peux pas taper. J'allais lui piquer le cul au gars qui dormait. Mais attends, il y a le chapelier là, il est où le gars? Ah, il est là, c'est lui? Mais 30 pour faire quoi? Ah, pour faire la maison du chapelier. Vous avez débloqué l'explorateur. Investissez dans les aventures de ce loup de mer et il vous cédera une partie de ses trouvailles à son retour. Ah, trop bien! Mais c'est génial, ça! Bah, j'investis. Je mets les voiles. Oh oui, allez, on te donne des petits sous, là. Ah, il est là, le gars, ok. As-tu trouvé le sommeil? Nous avons donné aux hommes un peu d'espoir. Et ta quête ne fait que commencer. Bah écoute, en tout cas, toi, t'as dû trouver le sommeil, vu comme tu fumes. Qu'est-ce qu'il y a dans ta pipe? Je sais même pas comment il s'appelle, celui-ci. C'est quoi, ça? Pourquoi il y a des trucs jaunes et des trucs jaunes? Oh là là. Des trucs verts et des trucs rouges. Ah. Il a l'air très énervé. Mmh, où est passé le vin? Ah oui, non mais le gars, oui. Oh, mille excuses. J'ai vu quelque chose en vous, et vous m'avez réveillé. Bah, j'étais surtout sorti de ta cage. Je suis le chapelier des grands aventuriers. D'accord. Ah là, je peux bouger. Salutations. Mais tu m'as déjà dit bonjour, en fait. Hein. Ah, il faut tout ça, oh là là. Ah, et donc d'où le fait que, ouais, eh, n'empêche, taper dans les squelettes, c'est pas con, hein. Wow, faites tournoyer le harpon comme une scie pour réduire l'ennemi en pièces. Magnifique. Ces plumes enchantées lacèrent les rangs ennemis. Ah, j'aime bien. J'ai tout en plus. Et c'est combien? C'est 15? Ah, c'est ça. Vous avez débloqué un chapeau. Chargez la jauge de puissance jaune en combat. Ah, mais c'est ça, parce que du coup, il y a une espèce de jauge, ouais, qu'on voyait en combat. Et je me demandais ce que c'était, en fait. D'accord, donc du coup, c'est genre un... Ah, comment on dit? Un coup spécial, quoi. Et libérer sa puissance en frappant le sol. C'est la collection du seigneur Faraday. Ah ouais, j'ai la socle là, moi. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a? Hop là, mon petit chapeau, là. Par contre, il y a plein de trucs, j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Mais je pense en explorant les autres cavernes et tout. Bah, je me barre. Hein. Ah, attends, est-ce que je peux passer derrière lui? Parce qu'il est en train de fouiller derrière ce... Ah, bah oui, j'adore. Voilà, les sous que je t'ai donnés, je les reprends. Bien. Mais il a un coffre en plus, le salaud.
Et une petite plume rouge. Oh, une petite plume rouge dans le coffre. Ouais, ouais, bon, salut. Goodbye. Ah, mais c'est génial, ça. Bah, on va repartir en exploration. On a augmenté un peu notre vie. L'autre, c'était 60. Je crois qu'on a... Non, on n'a pas assez. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on voit sur la carte les évolutions? Est-ce qu'on a fait dans les lieux ou pas? Pas du tout. Là, il faut cette clé-là pour y aller, je pense. Là, par contre, on pourrait y aller, ouais, parce qu'on a le harpon. Donc, bah, je pense que c'est notre prochaine direction. Hein. Quoique, je suis pas sûre. Ouais, si, je pense. Bah, y a que là, de toute façon. Hein. Eh ouais! Chapeau à plumes rouges. On est stylé. Alors, ouais, parce que tout à l'heure, je crois qu'avec le harpon, on aurait pu avancer, et comme on ne l'avait pas, bah, on n'a rien pu faire. Ou alors, peut-être que... Ah ouais, non, on était bloqué devant une grande porte. Peut-être que la grande porte, du coup, elle s'ouvre quand on a le harpon. Dans tous les cas, on va pouvoir aller plus loin. Mais regarde, je peux sauter, là. Salut. Voilà, bah oui, on peut aller dans, dans cette porte-là. D'où l'importance d'avoir des... D'avoir des os. En fait, faut tout détruire, hein, de toute façon. Il n'y a pas, y a pas 36 solutions. On casse tout. Yes. Ah! Ah bah c'est un des chasseurs. Ouais, c'est un des chasseurs qui doit me... Doit bah, me pourchasser. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ah! Clan Noir Soul. Ouais, ouais. Et la démo, on l'a commencé là, en fait. Je sais pas s'ils sont dangereux, mais comme j'aime pas trop leur manière de me harceler. Les mille perdus, prostrés dans les ombres, n'attendaient plus rien. Bah du coup je les libère de leur... Je les libère de leur existence misérable. Mais Faraday pouvait sentir le harpon qui l'appelait. Bon ça je connais. Bah je connais, ça se trouve je vais mourir 15 fois mais... Le harpon était proche. Eh ouais. Fallait pas faire les malins comme ça là. Et Faraday l'appelait à lui. Attendez. Ah, je peux pas. Ah. Ouais, je voulais faire un truc de fou, j'ai raté. Mais... Voilà. J'aurais voulu voir ce qu'il y avait à droite. Même avec le harpon, à tel donjon était-il surmontable? Mais où on va y arriver, tranquille. Je crois que là, il n'y a rien. Ouais, non, ça sert à rien. Oh, moi, je vais démonter la grand-mère, toi. Magnifique. Attends, mais je l'ai propulsé là-bas, l'autre. Ah non. À
Alors attendez, on va aller ramasser tous les petits trucs, on va voir s'il n'y a pas un petit coffre. Et si, avant d'aller. Ah la tristesse du gars. L'autre il voulait m'attaquer, il s'est fait planter tout seul. Bah c'est bien fait, tiens. Voilà. Ah t'apprendras. Il y a une caisse là-bas. Mais je crois que... Ah d'accord, tout ça pour ça, ok. Non, mais par contre on va peut-être éviter de rater, non? Voilà. Hop, hop. Ah, mais du coup je suis un peu plus avantagée que dans la démo, parce que la démo j'avais pas pu... améliorer mon... J'évite de faire ça avec l'acide, moi. C'est pas du tout une bonne idée. Dans la démo, j'avais pas amélioré ma vie. Là, j'ai un peu plus de vie. Est-ce que c'est là que je voulais aller? Je sais plus. Ça, je peux détruire. Oh là là, oh ! Ça a pas la tête là. Alors attendez. Est-ce que je peux y arriver en fait comme ça? Ouais, je pense que je l'aurai plus tard, le coffre. Ouais, ok. Faut que je descende. C'est excellent, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ok. Ah mais attends, j'ai loupé un petit bout, là. J'ai loupé des sous. C'est cool. Je veux aller là. Yes. Oui, il y a deux soldats, mais on s'en fout un peu aussi. Ah oui, là je pouvais pas remonter par là. Ah oui, c'est vrai. Ah là là! C'est de la merde. Mais putain! Mais je suis... Bon, bah je refais le tour. Hein. Putain de merde, quoi. Non, mais... je vous aime pas. Faut que j'arrive à retourner... Putain. Faut que j'arrive à retourner de l'autre côté. Ah les bâtards. Oh là là. Bon c'est pas grave, tant pis, je peux pas retourner. C'est relou. Et c'est super relou en fait. Putain, j'ai loupé un truc quoi. Je suis dégoûtée. J'ai loupé un coffre et tout quoi. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bah, fallait pas être là. Ah! Qui êtes-vous? J'ai entendu des cris. Était-ce vous, monseigneur? Je croyais vous avoir perdu quand l'abîme a englouti notre navire. Seigneur, pourquoi nous déteste-t-il tant? Ah! J'ai volé cette clé à un de ces diables qui me battait. Ah bravo. Nos compagnons, seigneurs, hein, ils sont en cage comme des esclaves. Ok. Et je peux pas le... D'accord, la personne est décédée.
Mais non. Mais non, mais moi ce qui me saoule, c'est que je voulais repartir de l'autre côté et j'ai raté. Non. Non. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est pas grave, on s'en fout. Ça c'était pour ouvrir avec la clé. Ok, bah on y va. Sinon, il faudrait que je refasse le début. Mais c'est chiant. J'ai pas beaucoup de vie, hein, ça. Ah si, ça y est. Ouf. Voilà. On se lave un petit peu les cheveux. Et on se sent mieux. L'eau croupie avait un goût de boue et de suif. Bon, ou pas. Hein. C'était déjà mieux que la puanteur des cadavres pourrissants. Faraday sentait encore la mort en lui. Oh là là. Ah oui, attends, parce qu'il faut qu'il repop, non? Voilà. Mmh. Mmh. Hop. Il y a des trucs en l'air, je sais pas trop à quoi ça sert. Pour l'instant, il n'y a rien. Ah, une bibliothèque. Hop. Ah. Oui, mon enfant, j'entends les tambours de guerre. J'entends le monde qui s'écroule. Et la plainte de mes 1000 perdus. Le harpon est-il ici? Ai-je déjà vécu cet instant? Je me souviens de ce conte. Il parle d'un capitaine sans navire. Qui es-tu? Un autre sot venu pour Olija? Ou un simple repas que je vais dévorer? Nous avons écrasé, cuisiné et dévorer tous les braves dans ton genre. Bonne ambiance. Salut Kasungo, ça va? Et merci pour le sub. Merci beaucoup. Ah oui, donc là, il veut pas s'exciter, là. Si c'est bon, je peux sauter. Ah, je vais vraiment casser les caisses. Ah, des sous. Attendez. Ouais. Ouais, ouais. Super, bonne ambiance. C'était sympa. Toi, tu l'as fait du coup? C'est quoi ça? Ah oui! Arbalète Noir Soul. Cette arbalète à répétition crache ses flèches à une cadence infernale. Le dernier cri de la technologie Noir Soul. Alors, je sais plus c'est quel bouton par contre. Je crois qu'ils vont nous le dire. Oh! Vous avez trouvé une carte. Montrez-la au batelier pour découvrir de nouveaux horizons. Commence, j'ai vu que tu étais dessus. D'accord. Il est vraiment super bien. J'ai bien aimé. Et si tu... Enfin, j'ai vu 8 heures en durée de vie. Si tu prends vraiment ton temps, que tu lis les différents documents, etc. Pour moi, j'ai mis... J'irais presque 10 heures, un truc comme ça. Sachant que certainement, il doit me manquer des trucs. C'est quoi ça? J'en ai la tête. Je pense prendre mon tour. Oh non, il est bien. Puis bon, de toute façon, c'est, enfin, pour moi, c'est un jeu Game Pass, donc en fait, c'est déjà très bien. Attends. Mais c'est très bien ce que je fais, mais ça ne sert à rien. C'est un jeu, enfin, je me dis, voilà, avec le Game Pass, c'est gratuit, donc en vrai, c'est quand même super. Ah, la conne! Eh ben, c'est Olija, très bien. J'avais fait la démo il y a quelques mois, tu sais, quand ils n'avaient pas pu faire les salons et tout. Ils avaient fait un événement sur Steam où il y avait plein de démos. Et ils en ont refait un.
il n'y a pas longtemps, j'avais testé. Et c'est vraiment super bien. Mais par contre, ouais, honnêtement, tu vois, j'aurais dépensé... Ouais, c'est, il est à 40 ou 50, médium, ça m'aurait pas dérangé. Par contre, tu vois, j'avais dépensé 30 euros pour... Twin Mirror, c'est ça? Ouais, attends, c'est ça, Twin Mirror? Oui, j'ai pas aimé du tout. Enfin... Je trouve que l'histoire de Twin Mirror, elle est vraiment... je sais pas. Vraiment naze. Enfin, en fait, ça peut être sympa à faire. Eh oh! Twin Mirror, ça peut être sympa à faire, mais je trouve... si c'est en solde, quoi, ou si à un moment ça vient sur le Game Pass. Mais sinon... C'est dommage parce que ça commençait bien, puis après, je sais pas, je trouve que la fin, elle était un peu bâclée, un peu... Ouais, la fin était bâclée. Alors que là, je trouve que la fin... Enfin, voilà, c'est pas bâclé. Je trouve que ça s'essouffle pas, et ouais, non, The Medium, très bien. Pourtant, c'est Dontnod. Bah ouais, bah j'ai trouvé, tu vois, que le truc d'avant avec les deux jumeaux, je sais plus. Je sais plus, mais qui était sorti sur le Game Pass. Bah, je trouve que celui-là était beaucoup plus sympa que Twin Mirror. Pour moi, Twin Mirror, ça aurait dû être un truc Game Pass, et là, pour le coup, ça faisait vraiment même pas 6 heures, quoi. Tell Me Why, voilà. Tell Me Why, c'était... J'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était plus... L'histoire était beaucoup mieux que... Puis même la durée de vie, je trouve. Ok, ça s'est ouvert, nana. Ok. Hop. Non mais... La personne qui jette ses trucs n'importe où. Après, je sais que le studio qui a fait The Medium, c'est eux qui avaient fait Blair Witch. Et qu'apparemment, Blair Witch, ça... Mais putain! Blair Witch, ça souffrait un peu niveau rythme. Bah, je trouve que celui-là, ça va. Alors, cul. T'es sûr. Mais viens ici, toi. Mais qui s'y fait? D'où tu fuis? Laissez-moi prendre un peu de vie. J'ai fait de la merde. Aïe, aïe, aïe. Quel salaud. On m'explique ce plaisir de se foutre sous les couteaux. Non! Ah mais attends! Comment je fais? C'est pas ça. Mais j'ai un coup. Ah c'est ça mon coup. J'ai une pomme. Ah, fais-moi le malin là. Pardon. N'empêche, avec mon petit chapeau, je m'en suis mieux sortie que la première fois. La première fois, quand on le fait dans la démo, il n'y a pas de chapeau, pas de vie en plus. Une des trois clés d'ombre porte. Oui, 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 oui. Mais c'est très fort dans mon casque, par contre, là. Le chemin du retour s'éclaircit. Ok. Alors, observeur, il faudrait que je le fasse.
Déjà, j'ai retesté. Ah oui, c'est eux qui avaient fait Observer aussi, c'est ça. Mais il faut vraiment que je fasse. J'avais testé de voir si j'avais pas de. Les boîtes à ombre étaient bien l'œuvre du clan Noirsoul. Fabriquées pour sceller reliques et créatures. Quiconque en ouvrait une s'exposait à une grande tragédie. Pardon? Ah, c'est les petites femmes qu'on voit là! Alors, du coup, ouais, je voulais tester parce que comme ça en FPS, des fois ça me donne un peu envie de vomir, mais du coup là ça allait, donc il faudrait que je le fasse en stream. Pour Twin, de base, j'étais curieux, mais pas non plus une envie de le faire dans le court terme. Ouais, bah en fait, moi, ça m'avait vachement. Vachement plu, bah, le fait d'avoir. De passer du jumeau au mec et tout. Et en fait, du coup, sur ce principe de. Entre guillemets, de double réalité, fait, d'être dans l'esprit, etc., je trouve que The Medium le fait beaucoup mieux, en fait. C'est carrément mieux fait. Il y a des séquences. Enfin, je trouve qu'on s'ennuie pas. Les séquences de jeu sont assez variées. Et il y a des petites surprises dans The Medium, donc vraiment très bien. Alors, poudre noire, poudre explosive utilisée dans la confection de cartouches de fusil. J'ai une clé. C'est génial. C'est tout. On m'explique pas les petites personnes ce que c'est là? Parce qu'on me dit les créatures, je ne sais quoi. Mais c'est-à-dire. C'est des petites créatures. Je fais une collection de petites créatures. Ah non, là, on a ramené la personne. Moi, je voulais sauter partout, mais je pense que là, il voulait une scène un petit peu classe. Donc, on ne te laisse pas reprendre le contrôle. Et c'est tant mieux. J'aurais fait n'importe quoi. Les naufragés regagnèrent Olijah sans mot dire. Leurs vieux cœurs brisés s'emplirent de joie et de chaleur. Sa présence seule semblait soigner leurs tourments. Et au fond d'eux naquit la lueur d'un espoir nouveau. Si tu fais observeur, je serai présent et des phases bien cheloues. D'ac, bah je pense que ça va être au programme. Hein. J'ai pris sur. Je sais pas s'il est sur console. Alors que la dame épuisée se reposait, Faraday et les naufragés sentirent une ferveur nouvelle et firent serment de s'entraider. Mais tandis qu'ils partageaient leurs espoirs, une étrange embarcation surgit de la brume. C'est des pirates, c'est les gars, ils viennent nous prendre la tête alors que déjà on n'est pas bien. On n'a rien à donner, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bien. Franchement, en fait, je kiffe ce jeu. Je trouve ça trop bien. Je veux dire, la démo m'avait plu, mais ça me laissait. En fait, la démo laissait entrevoir le gameplay, mais pas du tout tout ce qu'il y avait autour, quoi. C'est. Je kiffe. Et du coup, les gars, ils vont passer comme ça, après, ils vont partir. Genre pour faire un peu peur ou comment ça se passe? Ah non. Oui? C'est bien ce genre de surprise. Ah mais carrément. Là, je suis pas déçue, j'ai hâte de le continuer et tout en stream, c'est trop bien. Nous sommes revenus servir notre maîtresse. Ah, la dame qu'on a. Voici le seigneur Faraday. Bah, c'est moi le seigneur Faraday, c'est une baragouine. Ah, il a vaincu Fofcap et libéré votre maîtresse. Ne devriez-vous pas le récompenser? Yayum, ne sais-tu pas qui elle est? Dame Olijah. Ah, c'est elle Olijah. Et l'héritière du royaume. Elle est la terre que tu foules et la mer que tu sillonnes. Pourquoi récompenser un barbare et son harpon maudit? Qui fragilise le sombre équilibre de ce pays, je crois. Mais pardon, c'est moi. Moi, je peux tous vous tuer aussi. Hein. Coup de pied comme ça, là, dans la tête. Ainsi, la servirons-nous à nouveau. Non, mais après, ils vont se casser comme ça. Rentrez chez vous, étranger. Mais le mec est plein de gaz, en fait, là. Je l'ai sauvé, tu me donnes pas de sous, et après, tu me dis rentre chez toi. C'est agréable. Bonne ambiance. Bonne humeur. Eh bien. N'avais-tu pas trouvé une autre carte? Mais c'est bon, je peux explorer un peu ou comment ça se passe là? Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? On dirait il jette des sous comme ça. Ah, bois, il est dit. C'est qui? Qui est cette personne?
Non. Ah, mais oui, c'est le. C'est le. L'aventurier qui. Ah, il m'a trouvé une plume et tout, ouais! Au début, je ne comprenais pas qui c'était. Raz-de-marée fut construite avant votre arrivée. Après une tempête, la marée ramena d'énormes troncs de chêne, avec lesquels les naufragés bâtirent ses quais. La tempête peut tout nous prendre, mais peut aussi donner. J'aimerais bien qu'elle me donne. Donne-moi des sous. Donne-moi des sous, la tempête. Seigneur Faraday, oui, c'est moi. Soir. Alors, je vais me ressusciter, n'importe quoi. Je vais manger. Ah ouais, le gars mange et puis tèche son truc, quoi. Quel est l'intérêt de faire des trucs en bois pour ensuite, derrière, polluer la mer, en fait. Je fais ses lances pour harponner le poisson. Autre chose, moi aussi, j'ai croisé le fer avec la vermine de Noir Saul. Alors, tu veux une médaille? C'est pour se la péter ou quoi, là? Moi aussi, j'ai croisé le fer. C'est bien. Ah, attendez. Il va m'augmenter ma vie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, tu vois, tous les gens jettent des trucs comme ça, quoi. Est-ce que j'ose... Non, 100, c'est trop cher. Je crois que je vais faire un truc de vie à chaque fois. Je sais pas si on peut farmer. S'il y a moyen, par exemple, de... comment dire, de retourner dans les lieux pour avoir un peu de sous et puis ensuite, si on peut farmer, je farmerai toute seule et je ferai l'avancée de l'histoire en stream. Ok, bah l'alchimiste c'est fait. Ça, attends, je vais aller là. Ah bah oui, du coup, faut que je me remette de la vie. Voilà, et hop, il tèche son bol, quoi. En fait, c'est un gars et c'est un gars comme ça, il ramasse le bol. C'est pas parce que tu les sauves que voilà, quoi. Pas sympathique. Bah du coup en fait j'ai plein de dames à sauver en fait. Et toutes les dames elles vont me dire la même chose, elles vont me dire oui rentre chez toi étranger et pas merci du coup. Je crois que j'ai pas assez pour fabriquer un chapeau. J'ai pas récupéré beaucoup de trucs. Hein. Ah mais les plumes c'est génial. Et franchement, et ça c'est le premier chapeau qu'on peut faire. Donc les autres chapeaux ça doit être un truc de fou. Hein. Cracher. Ne craignez plus l'acide, crachez le vôtre sur l'ennemi. C'est alien. Générer l'énergie vitale de vos ennemis, ou ça je sais pas trop. Générer votre propre électricité pour fabriquer... frapper l'ennemi. Faites tournoyer le harpon comme une scie pour réduire l'ennemi en pièces, ça j'aime bien. Ces épines peuvent être lancées sur l'ennemi ou chargées dans l'arbalète. Mouais. Oh, je suis pas top. Hein. Frapper sans subir de dégâts pour augmenter votre vitesse d'attaque et de sprint. Alien, mais faut que je me refasse l'alien. Là en fait, faut que je me refasse une session Jurassic Park. Alien, la momie, voilà. Les meilleurs films. Bah je pars. Hein. Je repars à l'aventure, du coup. Est-ce qu'à gauche, il va nous mettre le deuxième petit bout de carte? Oh là là, mais il y a trop d'endroits. Et voilà, là, il y a encore une dame. Ah là, je peux y aller... Ah ouais, d'accord, en fait, genre, les dames, par exemple, c'est optionnel. Je peux pas te contredire. Par contre, l'alien, c'est fou, mais ça m'a, j'avais grave aimé... Alors attends, ils en avaient fait un, c'était... je sais plus comment ça s'appelait, c'était pas versus Predator, mais c'était... c'était genre dans la... Enfin, dans la glace. Juste au pôle Nord ou un truc comme ça. Et celui-là, ça allait, mais bof. Et après, t'avais le alien... Où t'avais versus Predator, mais t'avais aussi les... C'était versus Predator. Ils se battaient contre des humains et contre les Predators en même temps, je sais plus. Et ça, c'était trop bien. Bon, entre autres, parce que dès le début, il y a un enfant qui décède, et c'est extrêmement rare que des enfants meurent dans des films, donc du coup, voilà. Mais c'était excellent, parce que t'avais les gars qui fuyaient, puis ils se prenaient, je sais pas, une lance ou un truc du Predator, et puis enfin franchement, c'était drôle. La momie a bien vieilli, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Alors, la momie, 1 et 2. Le 3, c'est caca. Comme il n'y a pas Rachel Waves, c'est caca. Voilà, j'aime pas. En plus, je sais pas où ils sont partis. Là, ils partaient dans le... Ils partaient où dans le 3? Dans le... Au Tibet ou je sais pas quoi. Tu sais, j'aime bien parce que sa femme change. C'était plus sa femme. C'est-à-dire que la personne ne lui ressemble vraiment pas. Et on est toujours sûr, c'est quand même sa femme. On croirait plus belle la vie, tu sais, on a changé un personnage, ou les feux de l'amour. C'est pas grave, c'est le même. Non, quand même, là, c'est un film, en fait. Enfin, moi, ça me choque un peu, quoi. On n'est pas sur un film de super-héros.
Mais j'ai toujours le même chapeau, moi je suis très contente de mon chapeau. Après, j'aimerais bien qu'ils refassent. Parce que Alors attends, il y avait eu Covenant. Non, Prometheus. Prometheus était bien, Covenant, bof. Et j'aimerais bien qu'ils en fassent un bien. Quitte à rappeler. Comment elle s'appelle? Sigourney Weaver. Même si elle fait une petite apparition, un petit truc, je pense que ça pourrait le faire. Hein. Donc ça, c'est pour appeler Jean-Michel Batelier. Mais c'est génial, ça. Mais grave. En plus, elle est... Enfin, je veux dire, elle est vachement... Bah, après, je l'ai pas vue depuis longtemps, mais elle est vachement en forme et tout, quoi. Je veux dire, les autres films dans lesquels elle avait joué, ça va, quoi. Puis de toute façon, ils l'ont tellement ressuscité, machin, dans les aliens. Et après, elle était en... Comment on dit? Pas en hibernation, mais... Pas enfin, mince, c'était les capsules où, voilà, quoi, ils font leur voyage. Donc en fait, c'est bon, elle pourrait être dedans sans problème. Hein. Oui, ça a bugué? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne peux pas faire pause. Merde, j'espère que ça a sauvegardé. Ah oui, bon bah alors attendez, je quitte. Oui, bah fermez le programme, oui, parce que là, pas bien. On va attendre un peu, exact, il y a toujours un moyen, science-fiction, c'est ça. Non, ce serait trop bien. Alors, je relance. Je sais pas, ça lui a pas plu que j'essaie d'aller sauver la dame. En même temps, vu comment on se fait parler, je peux comprendre. J'adore cet écran, je le trouve trop bien. Alors. Ouais, ça on peut passer ou pas? Pas du tout, merci. Et ça? Ah oui, continuez. Bah oui. D'accord, bon, espérons que ça ne rebug pas du coup. Je sais pas pourquoi cette voix-là me fait penser à la voix justement de la momie, mais je pense que j'ai un souvenir un peu frelaté, je pense. J'ai pas du tout le bon souvenir. Alors, est-ce que c'est de ma faute et genre j'ai tapé des trucs comme ça, ça leur a pas plu? Ah mais non ouais, putain, ça va servir pour le chapeau. Je vais aller manger, je te regarde de loin. Ok, ça marche, bah, bon appétit. Alors attends, on va voir parce que ça se trouve je vais bugger, hein. Non, ça va, c'est bon. Ouf. En plus, c'est bien, ça sauvegarde assez fréquemment, donc on n'atterrit pas dans un truc... Comment dire? Mais elle est toute seule, elle? Bon, attendez. Je fais une petite pause de 2 petites minutes et je reviens après. A tout de suite.
Ok, on reprend. Alors du coup, on avait la dame. Maintenant, on sait que c'est des dames devant nous. Alors, qu'est-ce que ça va nous baragouiner, celle-là? Les examens. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est super bizarre. De l'eau? Merci. Bah, c'était pas forcément nécessaire. Mais c'est gentil. C'est super mystique là. Du coup, j'ai aucune arme, j'ai rien. Je peux faire que marcher. Je peux même pas sauter. Ah, si, je peux. Waouh! Et c'est le chasseur. C'est un autre chasseur ça qui m'attend. Ah non, peut-être pas. Trop bizarre. Ah mais ils m'ont laissé je crois une petite récompense, non? C'est trop beau, j'adore. Ouais, ça fait des sous ça. Ouais, une clé. Ouais, c'est génial. Ah ouais, par contre, je me fais chasser mais salement quoi. Ah ouais, d'accord. Pas grave. C'était sympa. Attendez, ouais, parce que ça nous fait des petits... Voilà, des petites... Comment dire? Des petites ressources. C'est pas négligeable. Peut-être qu'on va se remettre un peu de vie, non? On a 124, le prochain est à 100. J'hésite. J'hésite, je sais pas. Alors, papy, emmène-nous. Emmène-nous. Donc la chute d'eau, on a fait. Est-ce qu'on irait ici? Ah là, il faut 3 clés, non? Je ne sais pas. Bah, de toute façon, on peut pas aller dans beaucoup d'endroits, puisque là, ça a été fait. Là aussi. Ouais, bah ouais, bon, on va aller là. Hein. Donc la vieille forêt. Ok. Let's go. Toujours mon petit chapeau à plumes rouges. La vieille forêt. Le paysage semble serein, mais nos yeux nous trahissent. Ambiance. Ce que tu cherches est quelque part dans ces arbres endormis. D'accord. C'est bon? Ou tu me parles encore? Non, ok. Salut. Salut, papy. Ah non, ça sert à rien, hein. Je pensais qu'en faisant ça, on avait peut-être un peu de sous, mais en fait, non. On n'a rien. Mais comment? Qu'est-ce que tu causes? Non, non. Il n'y a personne qui le tue, en fait. Je peux pas arriver à le mettre... Ça ne marche pas, je ne sais pas. Eh bien, écoute, bonne chance. Bon enfermement, moi je me barre. Non, je pense que je pourrais peut-être aller plus haut. Je sais pas, j'espère. Ah, il y a un truc là, attendez. Mais pourquoi tu veux pas y aller? Ah non, mais c'est moi en fait, je suis trop pressée. Je le fais avant de voir le trait qui se confirme. Oh oh oh, un petit peu dessous. Un coffre. Ah, des colliers, hey. Voilà. J'ai eu du mal à trouver l'épée. Bah voilà, très bien.
Et un autre naufragé était sauvé. Ah, parce qu'en plus, faut lui parler. Genre, le gars, on peut le laisser là, quoi. Genre, démerde-toi. Attendez, si je vais en haut, à droite, il y a quoi? Est-ce qu'on pouvait passer à droite, déjà? Ouais. Je sais pas si ça sert à grand chose, hein. Bah, je vais aller en bas quand même. Hein. Après, est-ce que je suis coincée en bas? Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ah bah non. Ouais, finalement, aller en bas, c'est peut-être pas le meilleur truc, quoi. C'est quoi ça? C'est de la merde? Ah non. Bah si, mais... Ah, est-ce qu'on rate pas un truc en passant pas par la petite porte, là? C'est un hôtel. Je sais pas ce qu'on peut faire. Non, bah je vais passer par l'autre porte, alors je sais pas. Ah, mais peut-être que l'autre, il fallait une clé, hein. Et ça se trouve... On va y aller, mais ça se trouve, fallait une clé, ouais. Donc en fait, c'est peut-être plutôt bien ce qu'on fait, non? Ah non, pas du tout. Bon, on va aller là. J'hésite toujours. Mais je pense que la porte ténèbre, on est obligé de se la faire. Je pense que c'est pas plus mal d'aller là. Ce serait bien qu'on puisse allumer la bougie, parce qu'à chaque fois, il y a une bougie qui reste. J'ai pas l'impression qu'on puisse... Oula, attends... C'est qui ça? C'est une vraie personne? Ah ouais. Il fait des trucs au pif? D'accord, ok. Ah mais il y a un truc qui essaie de me bouffer là, non? Il y a un truc qui brille là. Attendez. Oh non, c'était bizarre. Ouais. Et on peut ressortir par là? Où est-ce que ça nous emmène, ça? Ah! Il y a une personne, là. Bonjour, Jean-Michel. Qui êtes-vous? Ouh là là, ok. Oh! Il y a une petite bouteille, là, avec un bateau. Mais je sais pas ce que c'est. Étranger, tu es un des naufragés? Oui. Nos gens, nos maisons, tout n'est plus que cendre. Tamtak, le quoi, nous a tout pris. Nous vivions en paix jusqu'à ce qu'il change. Et se taire dans ce marécage puant. Bonne ambiance. Ok. Alors déjà, parce que il y a ça quand même. Voilà. Donc... Il y avait quand même la porte ténébreuse, hein, mais je... de toute façon, je pense quoi. Enfin, je sais même pas. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Mystère. Il y a trop de portes. Il y a trop d'endroits où on peut aller. Ah bah, super! Il y a une pomme, je peux pas la prendre. Je suis full en plus, donc ça sert à rien. Si je descends, il y a quoi? Ouais, on va regarder en bas. Ouais. Ah, et j'atterris. Pas mal. Et bam. Génial. Ah, bon, on a libéré un gars. Et un autre naufragé était sauvé. Alors, attendons, allez voir à gauche pour voir. Non, bon, on peut pas y aller. Ok, donc on va aller à droite en direct.
toute façon, il faut absolument qu'on essaie de passer... je me suis fait mal, super. De passer avec la porte ténébreuse, parce que je me demande si... Il y aurait pas un autre naufragé qu'on pourrait sauver, quoi. Oh putain, la con. Je l'avais pas vu. Putain. Ah, il y a un truc, là. Oh là là. Trop bien. What the fuck. Est-ce qu'on peut toutes les... Alors, comment tirer? Ah non, c'est qu'avec la lance. Ah bah non, on peut pas, ça sert à rien. Elle se régénère. Donc en fait, c'est un peu inutile. Est-ce que j'ai ouvert le passage? Ah, j'ai eu tout ça, dis donc. Pas du tout. Il y a un souci, là. Bah... Bah, ça repousse, donc je sais pas. Peut-être que je me plante. Non, je devrais passer au-dessus, en haut. Ok, d'accord. Faut que je remonte. Nickel. Aïe. Je pensais pas que ça me... Nickel. C'est quoi, ça? Oh, c'est encore vous? C'est comme si la chanson de la fortune vous appelait. C'est le nom de celle que je joue. D'accord? J'espérais que Tamtak l'entendrait. Et qu'il reviendrait à la raison. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas son destin. Apparemment, il a l'air complètement emballé couille. Hein. Tamtak, voilà. Ah, je peux aller là. Putain, mais il y a trop d'endroits où on peut aller. Mais attends, en plus, c'est pas là que je voulais... Il y avait pas un endroit, là Bah ouais. Ça, là. Il y a quoi à droite, là? Je dis pas que c'est encore un autre passage. Il y a trop d'endroits où aller. C'est pas possible. C'est pas possible, on va se perdre. Oh là là. Mais c'est de l'eau, ça, non? Je pense que je meurs, hein. Ouais. Ah non, je peux passer. Ah, je m'attendais pas à ça, d'accord. Ok, bon, c'est cool, alors. Ah, mais c'est quoi, ça? Y a pas un truc qui me poursuivait, là? Oh, il y avait une bombe dans la caisse, ils sont sérieux. Ouais, mais je crois que j'ai pas ce qu'il... Ouais, j'ai pas ce qu'il faut, je pense, pour aller là. Parce que, par exemple, là, je peux pas sauter... Ah, mais si, attendez. Non. Ah, un autre naufragé. Tac. Alors, par contre, comment je peux faire? Ah, je peux monter par là, bien. Eh oh. Super. Coucou Jean-Michel. Jean-Michel naufragé. Et un naufragé de plus. Je sais pas combien ils sont, hein. Il y a une plume, là. Trop bien. Je sais pas combien ils sont, les naufragés, mais bon. Est-ce que ça nous aide aussi? Je pense que faut aller là. Yes. Oh, encore les petites merdes, là.
Ok, plus de tête. Et la tête, et la tête. Alouette. Est-ce que je peux sauter? J'ai un peu fait de la merde. C'est pas ça que je voulais faire. Comment je fais? Comment je fais en vrai? Ah, j'avais pas vu, oh là là. Je n'avais pas vu. Parfait. Et tac. Et on peut péter ça. Ce qui sert à... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais on va dire que c'était bien. En fait, là. Attends, faudrait que je saute. Putain, c'est les piafs qui donnent des machins. Oh, le seum, ça s'est mis sur un... Bah, attends, c'est la merde, là. Non, mais je peux pas, en fait. Est-ce que vraiment je peux faire quelque chose? Je doute. Hein. Hein. Et là, il n'y a rien. Ouais, mais tout ça pourquoi? Non, c'est con. Mais ce qui est super con, c'est que je peux pas aller là. En fait, je peux pas... Oh, génial! Oh, putain! Oh, trop bien! Par contre, il y a cet endroit là-bas, là, je peux pas y aller. Ah, si, peut-être... Non, je pourrais pas. Ah ouais, ok. Aïe, putain, il m'a fait mal, le coup. Oh le con. Non! Mais c'est pas possible! Mais si, c'est là que je dois aller en plus. Non, c'est pas là. Ok. En fait, je vais essayer d'esquiver les trucs et j'y arrive pas. Tac! Bon, alors, on lui met un petit coup quand même, histoire de. Aïe. Ce qui est très con. C'est très con. C'est très con. Et... Ouais, tout ça pourquoi? Merde. Ah! Tout ça pour ça, ok. Là, il y a une autre porte avec des petites tentacules. Sachant qu'il y avait aussi le pont... peut-être qu'il y avait Tamcam là ou je sais pas quoi, Tamtac, et il y avait encore une autre porte comme ça. Hein. Par contre, j'ai pas de vie, c'est un peu la merde. C'est quoi ça? Mais je sais même pas ce qui s'est passé. Ah! Ah oui, ok, d'accord, l'eau. Et là, je redémarre d'où? Ah, je redémarre de là, ça va. Bon, après, j'ai pas beaucoup de vie quand même, c'est un peu la merde, mais bon. Hop là. Non, mais putain! On a fait du caca. Par contre, niveau vie, ouais, c'est chaud sa mère. Hein. C'est là, soit j'y arrive, soit j'y arrive pas.
Mais elle est con! Y a de la vie! Ouf, ça fait du bien. C'est un peu la merde, hein. Oh là 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 là. Nom de Dieu, de qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la merde, là. Il y a une personne, on dirait qu'il y a une tête, là-bas. Je pense qu'on n'y va pas, non? Si? Non, je pense que c'est peine perdue, hein. Attendez. Ah, je sais. Mais ouais, ça j'avais pas vu. Oh, génial. Ok, on peut enlever l'eau. Ça c'est cool. Ah, il y a un petit bateau. C'est trop bien. J'attends que ça... Que ça descende à fond. Parce que j'ai pas envie de me prendre un dégât dans la tronche. Je sais pas du tout à quoi ça sert les bateaux. Un truc là. Ah non, c'est rien, c'est une personne. Ok. Yes, un peu de vie. Oh là là. Faut que je me tape. Là, je suis partie énervée en fait. Il y en a beaucoup un peu, non? Là, le cri. L'enculé! Attends, ça veut dire qu'il est pas loin l'autre. Non? Les gars, résistants de fou. Après, ça devient des petits. Ah là là, la boule! Putain, la boule dans la tête, sa mère! Waouh! Ah putain, il y avait les murs. Alors, je n'ai même pas remarqué que les murs se rapprochaient. Le soleil levant. La grotte avait retrouvé son calme et les horreurs avaient disparu. C'est-à-dire que là, en fait, j'étais sans pression, quoi. Oh mon dieu! J'avais pas du tout remarqué. Eh bah, dis donc. Hop, 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 et on repart. Je sais pas après si on tourne en rond ou si vraiment les endroits dans lesquels je suis pas allée, bah faudrait que j'y aille quoi. Je sais pas trop.
Oh, une clé. Des sous, une clé, un coffre. C'est magnifique. Ouais, alors je crois qu'il faut que je retourne sur l'île pour affronter Tam-Tak, là. Tac-Tac. Parce que là, ça va me TP au batelier, je pense. Mais du coup, bah, il nous manque... Bah, il faut qu'on règle le problème Tam-Tak. Ouais, poursuivre l'exploration. On va essayer de poursuivre un peu, sois prudent. Oui. C'est-à-dire, il y a nuit là ou pas? Ah, ok, d'accord. Donc là, normalement, je peux repartir. Ah, les bâtards! J'aurais dû attaquer le papillon, j'aurais une plume verte. Tant pis. Voilà, merci. Ah, mais l'enc... Eh oh! Mais tu te crois où, là, Jean-Michel? Je sais pas quoi, là. Ok, donc on va essayer de passer par le pont. Tam-Tak, on a un compte à régler avec toi. Non, non, on va peut-être... Oh, la con! Mais pourquoi on fait ça? Allez. Elle est morte, la vieille, là? Ouais. Non, elle est pas morte. Bah, vas-y, on s'en fout. Où est-ce que c'était? Allez, salaud. Ah, mais je tue tout le monde, hein, je vous le dis. Hein. Merci pour les sous. Et de rien, et au revoir. Alors, attendez. Tac. Donc, il faut que je remonte. Mmh. Ah, la coup. Ah, je crois que c'était là, non? Je suis pas sûre. Je crois pas. Oh! Bah oui, ça me paraît assez évident. Je cherche à retourner voir les gars là. Je crois qu'ils étaient plus à gauche encore. Merci. Bah l'autre, mais il est en train de voler là comme un kiek. Faut que j'aille je sais même pas hein. Est-ce que je peux remonter moi? C'est un peu la merde là ou pas? Ah non. Ok, non c'est bon, je repasse par là. Ah oui, il n'y avait pas une petite caverne? Ah bah pas du tout, attendez. Prends un petit peu de... Un petit peu... Ah voilà, c'était ça le pont sur lequel je... Oui! Ça va faire du bien. Drone encore par ici? Mais il est où Tam-Tak? Sois bien prudent. Cette forêt n'est rien d'autre que fantômes et soupirs. Mais en fait, ça se trouve, j'aurais pas dû... Attendez. Il y avait pas un truc où je pouvais aller, là? Ou c'est moi qui ai fumé? Ah bon? Bah, d'accord. Je pensais qu'il y avait un espèce de pont où je pouvais partir. Bah, de toute façon, il y a la porte. Il y avait une porte des ténèbres dans laquelle on n'est pas allé. Donc ça, il faut, absolument qu'on le fasse. Voilà, là, c'était le truc qui était tout... Ouais, non, mais toi, tu me saoules, donc j'ai pas envie de te parler. Ok. Hop. Alors, où est-ce qu'elle était, la porte, porte ténébreuse, là? C'était là.
Ça se trouve, je vais revenir au bateau. Hein. Ouais, j'ai l'impression que je reviens au bateau, là. Ah, elle était peut-être en bas. C'était peut-être tout en bas à droite. Mais qu'est-ce que tu fous, toi ? Connard, va. Ouais, attends, ça fait une pomme, mais bon, je crois que je suis à fond. Je viens du haut, non? Je viens du bas, je veux dire. Ah si, on est passé par là tout à l'heure. Oui, ok, d'accord. Ok, on vient du haut. On vient du haut et après on est descendu, je crois. On va aller voir en bas à droite. Ouais, on était passé devant un petit hôtel, ok. Ah, cette porte-là, on l'a pas fait. Voilà, c'est celle qui nous manque, je crois. Ok. On n'était pas passé par là. Hein. Non, pas du tout. Ça, on a découvert. Alors attendez, juste un petit instant. Ok, alors on va monter. Oui, bah écoute, moi je suis en haut, toi tu es en bas. Voilà, c'est comme ça que ça se goupille. Ouh là 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 là, c'est chaud. Il s'est fait éclater. Non, non, non. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Micheline? C'est tout un truc, ça. Mais il se prend des trucs et... Mais il est con, ce machin. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Oh bah oui, mourir comme ça, hein, c'est ce qui... Putain. Je peux même pas... Ah si, c'est bon. Ah, j'ai fait une petite feinte là pour récupérer les... Le bracelet là. Mais bouge de là. Ça se trouve, ça, c'est juste un truc où on a des sous et je sais pas. Et une clé, peut-être. On casse tout. Ah, il y a un gars. Attendez, on va le taper. Waouh, ça nous mène sur un truc là. Où est-ce qu'on va? Alors j'espère qu'on ne devra pas se retaper tout le chemin. Oh mon dieu! Sympa, j'aime beaucoup. Oh mais... Oui, je voulais prendre un screen, mais le machin, c'est... Les tissés. Ah ok, c'est sympa. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont tous pendus Oh là là, mais ça... Aïe aïe aïe! Bon, je suis passée, mais comme une chacale, hein. Il y a une personne là. Une personne qui s'est relevée. Et qui s'est relevée. Ah non. Il a été rappelé, on dirait. C'est un petit peu la merde. La la la. Ok. Oulala. Oh putain, mais quel con. Mais comment on peut faire pour sauter
sauter et sauter sur les trucs qu'il faut éviter en fait. Quand même fou. Ah, je peux pas. C'est quoi ça? Ça fait peur, hein? Ah! Mais j'ai pas de vie! Mais j'ai pas de vie! J'ai pas de vie! Aïe aïe aïe, je vais mourir. Oh là là! Mais les gars! Les gars, c'est la merde, j'ai pas de vie! Je peux pas partir, je suis en combat! Non, ta merde! Non! Mais j'ai pas de vie! Oh là là, puis s'il me ressuscite, moi je suis dans la merde. Non! Oh putain, mais comment tout se prendre dans la gueule? Ah putain, c'est là que j'aurais pu l'avoir? Non. Me dis pas ça. Non! Il m'a tué! Le problème, c'est que je vais recommencer sans vie, quoi. Ah non, j'ai de la vie. Attends, j'ai réussi à perdre v'là la vie juste en passant d'un truc à un autre. Ah ouais, non, mais la personne, tristesse, quoi. Putain. Bon, c'est déjà moins grave que tout à l'heure. Ah oui, je crois qu'il faut pas péter les trucs là. J'ai une pomme, c'est génial. Voilà. Est-ce qu'il y a des flèches qui partent d'ailleurs? Je sais pas. Oh, sa mère. Ok. Là. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je sais pas du tout si c'est ça que ça m'envoie ou pas. Mais quel con! Mais fou... J'ai pas regardé... Putain. Bon, j'arrive en un peu meilleure santé que tout à l'heure. Mais non, mais par contre, ne te prends pas des dégâts dans la gueule! Vas-y, toi! Ombre poigne. Ça y est, j'ai réussi? Des âmes libres ou des laquais de Noirsoul? Je ne sais pas, c'est un mystère. Ok. Ouf, ouf, on a réussi. Enfin, on a réussi une partie, hein, parce que je pense que ça va se corser, mais... Matisse 10. Oh, Tromblon, une arme moderne et très puissante à courte portée, tire des cartouches de poudre noire. Génial. Ah oui, mais j'ai pas de cartouches. J'ai des cartouches. J'ai une clé. J'ai un coffre. Ah, et je peux me TP au bateau. Génial. Je pensais qu'il y avait un boss ou un truc. Bon, ça va, c'était un mini-boss, hein. C'était pas très... C'était pas très compliqué.
Et putain, j'ai laissé un os derrière moi. Nom de Dieu. Oui, retourne à Radmaré. Hein. Allons donc nous reposer. Oui. Par contre, on n'a pas... Il y a des trucs qu'on a loupés ou pas? Parce qu'on n'a pas vu Katmat là, ou je sais pas quoi, là. Vous avez secouru un de vos hommes. Faites des corses. Alors, les cartouches, faites des corses et de papier. Ces cartouches sont bourrées de poudre noire et de fragments. Plume verte. Certains disent que cette plume émeraude peut affecter l'énergie vitale dans un sens ou dans l'autre. Et j'ai le tromblon. Nickel. Super cool, ça. Eh, j'ai 3 clés en or. Ouais, 0 dame. Bah, il n'y en avait pas, en fait. Hein. À un moment, j'ai vu une dame, mais ça servit à rien. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que... Je sais pas si sur la carte, on nous indique où est-ce qu'il y a des dames et tout. Vous n'avez pas mangé une miette, monseigneur. Bah, je fais ce que je veux. Si j'ai pas faim, j'ai pas faim. Laisse-moi tranquille. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était super sympa comme découverte, on va continuer. Hein. Donc pas demain, mais du coup, rendez-vous jeudi à 11h pour la suite de Olija. En attendant, si jamais ça vous a plu et que vous n'avez pas encore follow la chaîne, n'hésitez pas à follow, comme ça vous serez au courant des prochains lives. Je vous souhaite une bonne journée, bisous et à jeudi.